Coucou. Et on est quel jour déjà? Vendredi. 9h29. Ah, super. Faut tenir, les amis. Faut pas picoler. Il est 9h22. D'ailleurs, faut que je sors la poubelle du coup. Et on s'en va avec Camille chercher ma filleule. Donc là, vous êtes sur le tableau de bord parce que au-dessus il y a mon GPS. Tu aurais pu mettre l'autre pour le GPS. On a... Non, celui-là ça va pas. On a 18 minutes. L'autre trépied. Ah, l'autre je l'ai plus. Hein. Je l'ai vu n'importe quoi. Quand il avait été faire sa formation à Tours, je sais pas quoi. Dans 150 mètres, tournez à gauche. Elle a un problème de GPS. C'est où la gauche? Prendre à gauche sur rue Jean Jaurès. Je quitte et je reviens, comme ça je suis sûre de ne pas refaire le début du vlog. Exactement la rue. Ah ouais. Même là, ils ont entendu la rue. Ils savent que c'est pas là de la maison. Ah, ils savent que c'est qu'elle bille et tout. On s'en fout de toute façon. Ça doit pas être difficile à trouver notre ville. Je pense. J'habite dans la ville de mon cul. Vous la connaissez, la ville de mon cul? Mais ça existe vraiment. Bah ouais. Mais on va vraiment chercher. Mais bon, elle est là-bas au moins. Mon cul, c'est pas dans le nord. Non. Je sais même pas c'est où ce truc-là. Je sais pas, elle est où la ville de mon cul. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur D160E2. D160E2. Pour moi, si tu sais pas, tu sais. Les habitants de mon cul, c'est les mon cul quoi. Mon cul quoi. On est des mon cul quoise. Prendre à gauche sur D160E2. On n'est pas des mon cul quoise. Là 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 là. Mon cul 46 800, le code postal. 48 46 46. C'est aussi qu'à côté vers le bas. Continuez sur D160E2 pendant 1 km. Putain, c'est petit mon cul. Normalement, c'est vers Toulouse, c'est là, le petit carré blanc. Oh, c'est loin. C'est petit mon cul. C'est petit mon cul. Salut, les gars. C'est un petit cul. Regarde, c'est tout petit. Bon, c'est un petit, c'est un petit village, enfin, une petite ville, tu vois. C'est loin en plus. C'est loin de mon cul. C'est vers le bas, mon cul. Ah ouais, c'est ça, c'est vers le bas le cul. Mon cul est vers le bas, il est tout petit. Parce qu'il y a la ville de mes pieds en dessous. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur rue Arthur Lamondin, D160E2. Ouais, du coup, normalement, il peut prendre un rocade. Donc, normalement, ça va aller plus vite. J'ai un peu la tête dans le cul. Enfin, c'est quoi de le dire? Bah ouais, j'ai la tête dans mon cul. Voilà. C'est bien, t'es dans la ville. Je suis dans la ville. S'il y a des habitants de mon cul, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien contre vous. S'il y a des mon cul quoi. Des mon cul quoi et des mon cul quoises, bienvenue à vous. Je suis sûr qu'il n'y a personne de mon cul. Oui. Mais quoi, il y a aussi une balle avec un canard. C'est une balle avec un canard. Ouais, ouais, ouais. Après, je vais rentrer avec ma filleule, mais j'ai du ménage à faire quand même. D160E2 pendant 1 km. Je vais faire le plus gros, quoi. Je vais pas
maintenant plus faire que du ménage quand il y a ma fille, mais je vais faire le plus gros quand même, débarrasser déjà la table, la vaisselle, sortir mes poubelles, ça sera fait. Après c'est tout, je veux dire, je vais pas laver et tout. Normalement je dois ranger ma chambre, ranger tout le linge, j'ai plein de choses à faire. Mais bon, dans 600 mètres, on verra demain. Prendre la deuxième sortie et continuer sur D1602. Toi tu vas chez Dana aujourd'hui du coup? Ouais, j'avais déjà préparé mes sacs hier soir, en fait je suis tranquille et j'oublie rien. Du coup je te ramène après que j'ai ramené Titi. Titi elle veut qu'on la ramène vers 14h, 14h30, comme ça elle est rentrée quand Antoine y rentre. Ouais. Je te bats contre Dieu de toute façon. C'est bon, je m'en fous. Bah, j'ai déjà préparé mes sacs parce que j'ai dit ça va être la course entre l'école. C'est où qu'elle peut passer? Elle peut pas prendre la rocade. Bah non, il me fait pas prendre la rocade. Quoi? Dans 500 mètres. J'avais déjà préparé mes sacs parce que j'ai dit ça va être la course entre l'école. Bah ouais. Entre l'école, aller à Ena, revenir, après, bah. Aller où la boue, non, non. Bon, je vais pas vous garder toute la route parce que sinon ça va être très long. Hein, sinon, je vous filme déjà pendant 20 minutes que de voiture. C'est dans toutes les rues. Ouais. Nous sommes bientôt dans la rue Émile Zola. Nous sommes arrivés. Attention, attention, à Courcelles-lès-Lens. Oh, oups, je l'ai dit. Ça, c'est vraiment la ville que vous verrez sur Courcelles-lès-Lens. C'est vraiment collé à mon cul. Je cherche mon cul et Courcelles-lès-Lens, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le truc. Bon, allez, à tout à l'heure, au lieu de faire des conneries. Donc. Tu fais le sage? Re. T'entends que c'est moche, hein. L'image, elle est pas belle. C'est un peu mieux, quoi. On a été à Leclerc avec Méliana et Chouchou. Mélia va vous faire voir ce qu'elle a acheté. C'est même pas le même prix. C'est même pas le même prix. Bon, alors. J'ai acheté des baskets. De base, c'est écrit 16,95 €. Là, c'est écrit promotion à 9,95 €. De coup, elles sont comme ça. Bon, elles sont simples. Hein. Ça fait un bleu marine. Là, il y a des petites fleurs. Et la semelle, elle est blanche. Elles sont belles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée avec la qualité. Et sur le ticket de caisse, c'est écrit tennis sans velours, 8,47 €. Donc, je sais pas, c'est encore moins cher. C'est, elle a pris pointure 32. Du coup. Ouais, elle a pris. Non, Kenma, pousse-toi de là. Allez. Elle a pris pointure 32. Du coup. De base, du coup, c'est sûr, c'est ce que je dis à la vidéo. C'est écrit 16,95 €, promo 9,95 €, et ils sont passés à 8,47 €. C'est pas le même prix. Bon, bref, du coup, 8,47 €. Ensuite, on a pris une baguette à 45 centimes. Kenma, arrête de passer devant. On a pris, on a pris un pain platine à 1,39 €. Maman va donner à manger 2 minutes. J'ai pris pour Alexis. Alors attendez, je vous dis pas de conneries parce que Kenma n'arrête pas de passer devant, elle chante. Un burger savoyard de la marque Marie. Et c'est 3,75 €. Ensuite, on lui a pris un burger Maxi Burger Bacon marque repère, 2,93 €. Ensuite, Chouchou, il s'est pris des rouleaux de printemps. C'est 3,95 €. Deux rouleaux de printemps, c'est bête. J'ai les deux mêmes, moi. Il a pris 2 paquets. Combien je vous ai dit, à 3,95 €. Ensuite, il s'est pris des nem crevettes à 3,50 €. On a repris des nuggets, c'est qu'au plus 3 paquets à 2,19 €. Et ensuite, on a pris pour les grandes gamelles. Attendez. Là, c'est la partie retour de course pour les grandes gueules.
On a pris des bananes, il y en a 6 à 2,95 €. J'ai pris des kiwis jaunes à 4,49 €. C'est cher. Hein. J'ai pris 2 paquets. C'est cher, mais c'est trop bon. J'ai pris pour match des pommes jaunes, 1,99 €. Marque repère, il y en a 6. Et j'ai pris des courgettes bio, comme ça. Il y en a 2 pour Princesse. Des courgettes. Voilà, les amis. Pour le petit retour de course, du coup, du vlog de vendredi. Bon, on va manger. Enfin, je donne à manger aux filles. Et on va manger. Je vous reprends tout à l'heure. Oui, là typiquement on est plus sur le truc où en fait t'achètes ton élan, t'achètes ton fromage au supermarché, t'achètes ton steak. Re-coucou, on va aller faire dodo, il est l'heure. Du coup je vous termine vite fait le vlog. J'attends que Belle finisse son potager. Elle fait un potager en dessin. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait d'abord. Bah, tu veux que je retourne pour faire voir les dessins? Non, attends. Je mets de l'autre côté la caméra. Non, mais il n'y a pas. Bah, j'attends que tu finis et je fais voir tes. Non? Tu attends. Déjà les deux là? C'est bon. Attendez, je vous mets de l'autre côté. Mais je vais le mettre comme ça. Vas-y. Tu peux expliquer. Déjà commencé par. Il est sur le côté celui-là. Sur le côté? Il est sur le côté chez. Hein? Voilà. J'ai commencé par lui. Après, j'ai commencé par lui. En fait, c'est presque assez pareil. Sauf que lui, il dit ami parce que son ami est là. Voilà. Et elle vous fait voir le potager après. Bon, du coup, t'as fini ou pas? Oui. Oui. Attendez, on la laisse se concentrer là. Et après, elle vous fait voir ce qu'elle a fait. Elle va vous expliquer. Elle est concentrée. Arrête de me stresser. Non, là, je vais y arriver, je crois. J'ai commencé à faire ça. Elle a fait la base du coup. Après j'ai commencé à faire les deux trucs là, après les deux trucs là. J'ai même été mon nom, Mylène. Ouais, du coup après. Après. Donc ça c'est le potager. Après j'ai fait ça. Mais en même temps du coup j'ai collé ça. J'ai collé un petit paquet de graines pour les fleurs. J'ai même mis un paquet de graines, elle a mis des graines dans le potager. Et puis là, j'ai mis comme un arrosoir et je peux le décrocher. Enlève-le pas à chaque fois aussi. Tu vas tout craquer chez ça, lui. Ça peut faire. Elle l'arrose et du coup, dans le potager, et ben, il y a une petite fleur. Il y a déjà une fleur qui pousse. Voilà. Voilà les créations de Mel. Elle adore faire des créations. Là, je vais débarrasser quand même toute la table. En fait, je vais mettre tes dessins ailleurs parce que si papa il se lève demain et qu'il débarrasse et qu'il jette tout, faudrait pas qu'il jette tes dessins. Si? Donc, on va ranger le plus gros de la table et on va se coucher. Donc voilà, petite journée avec nous parce que bah aujourd'hui je vous ai dit dans la voiture tout à l'heure qu'on avait été chercher ma filleule. Elle est venue à la maison, je ne sais même pas quelle heure on a été la chercher, bref je vous l'ai dit dans la voiture. Donc il y a déjà 20 minutes de route, plus après elle a voulu passer retirer de l'argent. Le temps qu'on rentre et tout, en fait on est quasiment parti une heure du coup. Bon Matt il était à la maison. Alex aussi. Et du coup, quand on est rentré, on a discuté tout ça. Après, moi, j'ai fait toute ma vaisselle. Elle a dessiné sur sa gomme. Ensuite, j'ai mis mes poubelles devant parce qu'elles passent demain. J'ai pendu du linge dehors. Ma soeur, elle m'a demandé si elle pouvait venir. Du coup, j'étais chercher ma soeur Vanessa. Et du coup, après, on a mangé. On a discuté, puis après on était ramené ma filleule chez elle. On est revenu à la maison, Camille elle a pris ses sacs et tout.
On a été ramenés, on a été ramenés, moi, Mel, Chouchou, ma soeur, on a été ramenés Camille chez Dado, parce qu'elle dormait là-bas. On a redéposé ma soeur, et on est rentré. On devait faire le drive Leclerc, mais galère pour faire les courses. Du coup, on a juste été à Leclerc, bah, je vous ai montré de toute façon ce que j'ai acheté, c'est vrai. J'ai fait un petit retour, juste pour ce soir et tout. Et puis voilà. Et on fera le drive certainement demain. Du coup, je me suis rendu compte là que j'avais pu avoir pour mon. C'est là. Donc c'est pas grave. Hein, parce que il y a d'autres boissons, mais bon. C'est là. Voilà, et en plus, je dis à Chou, c'est bizarre quand même. Je dis, on a juste pris pour souper des trucs vite fait. Et on en a eu pour 50 euros. Mais en fait, il y a déjà presque 9 euros les baskets à Mel. Et il y a quasiment 10 euros de mes kiwis jaunes. Parce que c'est 5 euros le paquet, j'en ai pris 2. J'en ai mangé un, je me suis régalée. C'est tellement bon, les kiwis jaunes. Mais c'est vrai que du coup, ben, on a déjà 20 euros en moins en fait. Voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que ça coûte. Tout il coûte très cher. Hein. C'est affolant. Et je regardais si. Ah, oh, Leclerc, il y avait encore. Vous savez, les sachets Whiskas. À un moment donné les grosses boîtes à 10 euros, mais au final c'était vraiment une promotion je pense, parce que là ils ont remis à 18 euros, quasiment le double. Donc ben, on va devoir repartir sur les, parce que là j'ai fini mes 4 grosses boîtes que j'avais pris d'avance. Je vous avais dit que j'en avais pour 2 mois quasiment, et là je les ai quasiment finis en fait. Il me reste quelques jours et j'en aurais pu. Là, il va falloir que j'en rachète quand même pour voilà, hein, pour mes filles. Donc ce serait bien qu'ils refont bientôt une promotion, comme ça je profite et j'en reprends d'avance. À 10 euros la boîte, je préfère en acheter tout de suite d'avance. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je vais racheter une boîte du coup pour les 11 prochains jours, quoi, on va dire. Parce que ça dure 11 jours, un gros paquet de. Un gros carton de 44 sachets, ouais, ça me fait 11 jours. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Puis entre deux, j'achète le thon, ils ont les croquettes, ils ont les bonbons. La princesse, elle était contente d'avoir comment ça s'appelle? Des courgettes. Des courgettes, parce que les derniers temps, elle en avait marre de manger de la mâche et des endives. À chaque fois que je lui mettais, elle en voulait pas, en fait. Elle le mangeait quand même, hein. Mais on aurait dit qu'elle faisait la tête, elle en voulait plus. Donc là que j'ai acheté les courgettes, je lui ai donné, pas une courgette complète, bien sûr, parce que c'est beaucoup. Elle était contente. Je lui ai mis aussi de l'herbe du jardin que j'ai été chercher moi-même. Et je lui ai mis du foin et tout. Et du coup, quand j'étais prendre de l'herbe dans le jardin, parce que j'ai vu qu'en fait, je sais que les lapins, ils aiment l'herbe. Parce qu'ils disent que la plupart des lapins, du coup, qui vont dans les jardins et tout, ils mangent l'herbe du jardin. Et du coup, moi, j'avais jamais essayé parce que je ne l'ai jamais mise dans le jardin. Du coup, j'ai été lui prendre un peu d'herbe pour voir si elle aimait bien. Elle en a mangé un petit peu, mais voilà, sans plus. Après, je lui mets du foin et tout. Hein, donc, Et du coup, en fait, j'avais fait tomber mon téléphone dans le jardin. Voilà. Du coup, quand je vous ai laissé, qu'on a fait des petits retours de course, on a mangé. Moi, j'ai pris. Chouchou, il s'était pris, je vous ai montré, il a pris les rouleaux de printemps et les nems. Je crois qu'il a mangé que les rouleaux de printemps. Alexis s'était pris 2 hamburgers, mais tout compte fait, j'avais raison, il en a mangé que 1. Il en avait eu assez apparemment. Mathieu, il a mangé des nuggets avec de la baguette, tout ça, et du fromage. Et moi et Mel, on a mangé du pain platine. Franchement, il est trop bon le pain platine. Il est trop trop bon. On mange une tartine, parce qu'on va aller se coucher. Et Mel et Camille lui a montré comment faire les lacets à sa manière, parce que moi je les fais pas de la même façon. Et du coup Mel elle arrive à faire les lacets. Donc elle était contente. D'abord je vais vous montrer. Tu vas montrer. Attendez. Il est drôle ton bonhomme, mais comment tu vas effacer maintenant si la gomme, il y a du feutre. C'est malin. Pour moi, elle est belle cette fille. C'est malin, Germain. Elle est bête, cette couleur. Regarde. Ah, je vous jure. Oui, mais ça ferait des traces, voilà. Donc, tu peux plus t'en servir de la gomme. Faudra se servir que du bon.
Là, c'est pareil, elle a plus de colle parce que j'avais jeté la plupart, ils étaient soit toutes sèches ou trop liquides. Enfin bref, j'avais tout jeté et là c'était les tubes, mais elle fait tellement de création qu'il n'y a plus de peau de colle. Donc je vais devoir aller faire un petit tour à Action. Acheter des feuilles blanches parce qu'elle muse toutes mes feuilles blanches. J'en ai quasiment plus pour mon imprimante. Et acheter des tubes de colle. C'est quoi que tu voulais faire, Ardigan? Elle va vous montrer comment elle fait un lacet. On va voir si elle réussit du premier coup. Déjà, il faut enlever bien le lacet. Attends. J'arrive. Tu arrives à enlever? Parce que là, le nœud, il est serré. Attendez, j'enlève celui-là. En même temps, je le serrais, hein. Attendez. Je le connais un peu tout à l'heure. Ah oui. Donc, je le serrais. On s'entraîne sur les chaussures à Camille parce que c'est des grands lacets. Allez. Et comme c'est des grands. Fais-nous montrer si tu sais faire le lacet. Vous allez voir, ça l'a. En fait, c'est Camille qui avait appris de la manière là. Et du coup, elle lui a appris comme elle l'avait appris. Mais bon, moi, je ne l'ai fait pas comme ça perso. Bravo! Premier coup. Super. On fait comme ça. On fait un lacet tout normal, bien sûr. Mais on prend les deux, comme ça. Mais on ne les met pas du même sens. Là, je les mets vers là-bas. Là, je les mets vers là-bas. Pas du même sens. On vient à prendre lui. On vient à prendre lui avec notre doigt. On commence à aller doucement et on tire direct. Voilà. Et le lacet. Et fait. Et fait. Bravo, Mel. Je voulais faire porter basket, chérie. Elle a déjà mis ses nouvelles baskets. Attendez, je vous montre. Je vais faire que ça de retourner. Voilà. Elle les a déjà saillies. Hein. Elle a mis ses nouvelles baskets. Vous voyez, il y a des petites fleurs là sur le côté. Bon, elles sont bleues, mais franchement. Christophe, il disait que ça faisait garçon, mais bah, il y a des petites fleurs et tout, donc c'est pour petites filles. Moi, je les trouve belles avec un jean comme ça. Ça fait beau. Hein. Franchement, elles sont belles. En plus, j'en ai un, mais avec des cœurs jaunes. Elles sont simples, mais elles sont belles. J'ai du bleu foncé comme ça, avec des cœurs jaunes. C'est pas des cœurs blancs? Non. Ah ouais, doré, un peu doré. Si tu vois. Mais ça fait beau les baskets, moi j'aime bien. Ils sont simples, mais sont belles. Ils sont belles. Pour 8 euros et des brouettes, franchement, elles sont bien. Bon, on débarrasse la table et on va aller dodo. Vous voyez, je vous ai quand même rajouté des trucs dans le vlog. J'allais vous prendre que 2 minutes et au final, je vous ai rajouté des trucs. Bon. Aujourd'hui, ça va, j'ai pu mettre mon linge dehors. Franchement, il a fait super bon. Mmh. Il faisait chaud. J'étais en petit maillot. Maman, regarde. Toute la journée, quasiment. C'est possible, donc on tire un ciel. Mmh. Et là, en fait, j'avais pas fait attention. Moi, j'étais encore dehors. Mmh. Il était quelle heure? 20h, je crois. Et en fait, il pleuvait. Ça va, mon linge, il n'a pas été trop mouillé. Du coup, je l'ai rentré tout de suite dans la maison. J'ai fait rentrer les filles de la terrasse. J'ai fermé la fenêtre là, parce que la fenêtre du toit, elle était ouverte. J'ai tout fermé. Avec Christophe et Emel, on a été promener Elsa, Daisy et Stella. Et puis, voilà. Bon, Christophe, après, il est monté se coucher, parce que il a travaillé, forcément. Et nous, on va aller se coucher aussi. Demain, pas de réveil. Wouhou! J'ai attrapé un gros bouton là, je vais aller essayer de me percer. Parce qu'il m'énerve. Quand j'étais en retard, En plus, il me gêne. En fait, comme j'étais en retard, je ne pouvais pas aller à l'école. Non, t'étais pas en retard. C'est parce que t'avais mal au ventre et que t'avais envie de vomir, parce que sinon, on n'était pas en retard, on aurait pu partir. Ouais. Mais elle n'arrivait pas à manger parce qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait envie de vomir. Et du coup, je lui ai dit, ouais, mais là, il est l'heure de partir en fait. Mais comme elle avait mal au ventre et envie de vomir. Du coup, j'ai dit, tant pis, tu restes à la maison. Si c'est pour qu'elle va à l'école et qu'elle vomit. Elle s'est rendormie, du coup, quasiment jusqu'à midi. Donc, c'est qu'elle était vraiment fatiguée. Et quand elle s'est réveillée, après, elle avait encore mal au ventre. Elle ne voulait pas manger, elle avait encore mal au ventre. Et après, elle a mangé un petit peu et après, ça allait un peu mieux. Voilà. Donc, je pense qu'elle avait faim, qu'elle était fatiguée. Et il y a du stress. Les filles, elles pensent que c'est l'heure de jouer. Ça, c'est Sun. Et j'ai pas vu passer la deuxième.
C'est qui la deuxième? C'est Aya ou Kenmo, mais je pense plus que c'est Aya. Comme Camille est partie, Aya elle reste en bas du coup. Mais je crois que c'est Aya qui joue avec, avec Sun. Bon, Kimi elle dort sur mon séchoir. Hein. Kenmo, je sais pas, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Alors soit elle dort dans le couloir en haut, soit c'est elle qui est en train de courir dans l'escalier, mais je crois pas. Je crois que c'est Aya et Sun. Ah, Sun, c'est sûr, je vais l'avoir passé. Et Amy, elle est dans la roche. Alors, c'est qui la deuxième? Sun, ah, personne, elle regarde en bas, ça y est, elle est montée. Qui est la deuxième? Aujourd'hui, j'ai pas regardé de vidéo. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a mis des vidéos en ligne et tout, mais j'ai pas eu le temps de regarder de vidéo. Ah, ah, ah. Sun. Ça croit qu'elle court tout seule. Mais à chaque fois, il n'y a que elle qui passe. Ou alors la deuxième, elle l'attend dans l'escalier, je sais pas. Ah. En fait, il y en a une qui reste que dans l'escalier. Elle monte et elle descend, mais du coup, elle va pas en bas. Mais je pense que c'est Ayo. Ah bah, c'est Ayo. Elle vient de passer. Elle est partie à la salle de bain. Et Sun, du coup, elle la poursuit. Oh là, partie de la cuisine. Elles sont énervées. Elles sont énervées, ça y est. Bon, au moins, elles jouent. Hein. Même pour trouver. Ah, voilà. Et hop, ça recorde dans l'escalier. T'as oublié de monter, Sun. Elles sont trop marrantes. Elles choisissent leurs horaires pour jouer, eux. Bon, je suis contente quand même qu'elles jouent Sun. Bah, maintenant, ça y est, ça va beaucoup mieux. Ah, Mimi, non, Mimi, dès qu'elle la voit, elle râle. Elle aime pas, elle veut pas. Après, elle râle un peu sur tout le monde, Mimi, parce que, comme je vous ai déjà dit, ils sont souvent en train de la taper ou de lui faire peur alors qu'elle fait rien. Donc, elle, elle râle toujours. Les seuls vraiment avec qui elle râle pas, c'est avec Stella et avec Kenmo. Moi. Mais c'est vraiment avec Stella qu'elle râle pas du tout et Amy. Ils font des bisous, ils dorment ensemble. Stella et Amy, il n'y a aucun souci. Stella, c'est pareil, des fois, genre quand les filles, comme là, elle est fatiguée, s'il y a une fille qui vient à côté d'elle, elle va faire pour la choper. Elle va pas la choper, mais elle va faire pour dire tu me déranges. Mais elle le fera pas à Mimi. Et elle le fera pas à Kenmo. Elle le fait pas à Kenmo non plus. Elle l'a peut-être fait une fois ou deux. Mais pareil, elle le fait moins à Kenmo. Mais là, du coup, je suis contente. Ouais, c'est Sun, elle s'entend super bien avec Kenmo. Et elle s'entend bien avec Aya. Bon, Aya, des fois, elle la tape. Hein. Tout à l'heure, elle l'a tapé. Camille l'a engueulée, du coup. Parce qu'elle a tapé Sun. Mais quand elles ont décidé, elles jouent quand même ensemble. Kimi, elle joue pas vraiment avec les autres. C'est rare. Quand Kimi, elle court, je dis c'est vraiment bizarre et ça dure 5 minutes. Pas plus. Ça n'a pas duré 6. Hors de question. Kimi, c'est elle qui décide et elle joue pas beaucoup. Hein. Bon, allez. T'es encore en train de faire un coloriage? Oui. Et tu fais quoi? Bah, je fais un petit coup de soleil avec la petite lampe. Ah, d'accord. Bon, je vous fais des gros bisous. Demain c'est week-end, donc samedi, dimanche, je sais pas si je vais filmer ou si je filme pas, si je filme 2 jours ou 3 jours avec Lady, vu que c'est férié, on verra. Voilà, demain déjà, il faut faire le drive, je vais faire le retour de course, parce qu'en plus Lady, ils sont fermés, bah, le magasin, ouais, Leclerc, il est fermé. Bon, allez, à demain tout le monde.